Allez-y. Il n'y a pas de dents en haut, c'est bien sûr. Alors nous sommes à Saillerten, à l'île aux animaux. Donc c'est une ferme pédagogique ouverte d'avril à octobre. Donc là en ce moment on est ouvert tous les jours juillet et août. Et donc voilà, on est ouvert au public. En juillet et en août on reçoit plutôt des touristes sur une activité de visite guidée ou visite libre de la ferme, avec possibilité de faire des balades à poney, soit en baptême, soit en balade d'une demi-heure. Donc ça c'est la formule générale sur le site. Après, hors saison, on reçoit aussi du public handicapé, ou des centres de loisirs, des colonies. Et alors quels sont les animaux présents à la ferme ? Alors on a tous les représentants de la ferme en général. C'est-à-dire, on a une basse-cour, des chèvres, des moutons, des lapins. On va aussi avoir des paons, des tourterelles. En animaux un peu plus exotiques, on va avoir les lamas qui sont là en tant que gardiens sur le site, hein, puisque ça nous protège des prédateurs. Et tout autour, on va avoir le centre équestre avec tous les poneys, chevaux, chevaux de trait. Est-ce que vous allez faire une jalouse là-bas, hein, attention. Oh, mais pourquoi ils sont des bébés? Alors, ce ne sont pas des bébés, c'est juste qu'ils sont nains. Comme les lapins nains, les chèvres de laine. Enfin, tu vas me faire remarquer, mais il y a pas mal de nains. Interdit de manger parce qu'ils peuvent mordre. Exactement, on peut les regarder par contre. Il est vachement rigolo, c'est tes animaux. Alors, lui, il s'appelle Reggie. Salut, Reggie. Il a quel âge? T'es sûr que tu veux pas essayer? Je vais être contente de toi. Hein. Allez.